il y a une façon de fonctionner de notre cerveau qui nous met en grande difficulté, notamment dans notre vie sentimentale. Ce mécanisme inconscient qui amène à fuir complètement la réalité. Ce mécanisme inconscient qui regarde le réel et qui lui dit « merde », en favorisant, en mettant en avant nos croyances, encore et toujours nos croyances. Exemple, nous entamons une relation, ça se passe plus ou moins bien, et la réalité, cet homme me dit « je suis pas prêt à m'engager, je me sens pas à l'aise dans la relation, je n'ai pas envie de te faire souffrir, je suis pas à la hauteur ». Bref, il déclare vouloir se décaler de la relation. Réalité. Intérieurement, j'ai envie de donner cette chance à la relation. J'y crois, peut-être m'aime-t-il, peut-être y a-t-il un amour mutuel. Il me veut, ma croyance, la frontière avec la réalité. 3 semaines plus tard, 6 mois plus tard, je reçois régulièrement des femmes en coaching avec leur capture d'écran qui me montrent la même phrase prononcée et les mêmes attitudes derrière. Donc des attitudes de distance, des attitudes de froideur. Donc encore une fois, je ne suis pas à l'aise dans cette relation. J'ai envie d'arrêter là. Je n'ai pas envie de te décevoir. Je n'ai pas envie de te faire souffrir. Toujours dans la même famille d'énergie qui est « j'ai envie de me retirer ». Réalité, encore une fois. Ce mécanisme-là qui favorise la croyance « oui, l'amour peut marcher entre nous. Peut-être qu'il va se manifester bientôt. » Encore une fois, je renforce la croyance et je mets une frontière terrible avec la réalité, avec sa réalité qui a été exprimée plusieurs fois. Plus je m'éloigne de ce qui est posé, c'est-à-dire factuel, signifié de sa part, en favorisant mon système de croyance, plus je rentre dans le mal-être. Parce que oui, le mal-être, le sentiment de souffrance, c'est la conséquence de cette dissonance entre ce que je crois, ça peut marcher, ça va le faire, et c'est là que j'attends, que je me mets en disponibilité même des mois et des années. Donc cette dissonance, ce désagrément, cette souffrance interne, avec cette réalité qui a été déjà exprimée à plusieurs reprises, mais que je ne veux pas voir. Parce que la voir, ça serait perdre cette croyance. Et la croyance est au-dessus de tout. C'est comme un nuage au-dessus de la tête. Alors j'aimerais bien t'en montrer, il n'y en a pas aujourd'hui, mais tu vois l'idée, tu vois ce petit nuage. Peut-être, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est ça. Donc, inconsciemment, finalement, nous, êtres humains, avons tendance à plus s'accrocher à cette croyance, et tu vois, à l'ancrer, comme je le fais ici dans le sable, plutôt qu'à observer avec hauteur de vue, et c'est là, ça demande de la sagesse, du discernement, de l'apaisement, pour capter quelle est la réalité. Je ne suis pas sûr de vouloir faire une relation. J'ai même des cas où j'ai entendu cette phrase, j'ai envie de butiner, clairement. L'analogie animale, butiner, retourner à mes pulsions qui sont de avoir plusieurs femmes. Au fond, croire que je suis libre d'exercer des activités avec plusieurs femmes, mais au fond, succomber à mes pulsions animales qui sont d'aller voir tout ce qui bouge. Butiner. La réalité, la frontière que je mets avec mes croyances. Ça peut le faire, il peut changer d'avis. Je veux butiner. Mais j'y crois, j'attends encore. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas prêt. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Ce mécanisme-là, c'est le déni de réalité. Plus je veux sauver mes croyances, dit autrement, moins je suis prête à accepter ce qui est, plus je renforce la dissonance et le mal-être. Et à l'image de ce splendide scénario que je viens de faire ici, eh bien, ça devient moche, ça devient désordonné, ça devient le chaos. Comment je peux être heureuse dans ce chaos que j'ai moi-même organisé? Si tu veux qu'on parle ensemble de vive voix de ta situation et que je t'apporte un diagnostic pour te proposer un accompagnement sur mesure, réserve un appel découverte offert dans la description de cette vidéo.